Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, les Russes, les Russes, les Russes. Le président les voit derrière les gilets jaunes, il les voit manipuler toutes les élections. Derrière chaque opposant, il voit les Russes. Mais les Russes à l'Élysée, il ne les voit pas. Macron n'a pas vu que son protégé Alexandre Benalla avait négocié dans son palais un contrat de sécurité avec deux milliardaires proche de Vladimir Poutine. Notre président a le complotisme mal placé. Il voit une conspiration dans la rue alors que la Russie est apparemment bien introduite dans les salons de l'Élysée. Comment est-il possible que des membres de l'équipe présidentielle négocient des contrats juteux avec des oligarques russes? La France doit tenir plus que tout à son indépendance nationale. Pourquoi Alexandre Benalla, proche du président, entretient-il des relations avec des proches de Poutine aux liens obscurs avec la mafia? Des explications doivent être fournies immédiatement et sans délai à la représentation nationale et au peuple français, monsieur le Premier ministre. Muni de son passeport diplomatique et accompagné d'un homme d'affaires lié à Israël et au Qatar, monsieur Benalla s'est rendu au Tchad en novembre dernier. Négociait-il pour la France? Pour les Russes? Qui parle quand monsieur Benalla s'entretient avec le président tchadien? Le barbouze ou le diplomate de pacotille? La semaine dernière, l'armée française a frappé au Tchad sans débat ici. La France insoumise demande la transparence. C'est l'intérêt de la patrie qui est en jeu. Le cas Benalla fait peser l'ombre du soupçon sur les pratiques du pouvoir de notre président, auquel notre Constitution permet tous les égarements. S'il y a un seul responsable, disait Emmanuel Macron en juillet, c'est lui et lui seul. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Allez-vous demander au président de la République de faire la lumière sur ces arrangements mafieux ou son silence est-il coupable? La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames les députées, messieurs les députés, madame la députée Panot, en posant la question que vous venez d'énoncer, au fond, vous faites ici référence à sans doute ce qui constitue une dérive personnelle d'un personnage qui a joué un rôle important. Et Monsieur je crois Ruffin. Que votre question est actuellement traitée par la justice. Je voudrais en effet dire qu'il y a actuellement sur ce sujet trois enquêtes qui sont en cours. Il y a une première information judiciaire qui est liée aux événements survenus place de la Contrescarpe, les événements qui sont liés à la manifestation du 1er mai. Il y a ensuite une deuxième enquête qui a été ouverte par le procureur de Paris pour atteinte à la protection de la vie privée à la suite d'une lettre qui a été adressée par le Premier ministre au procureur de Paris. Il y a une troisième enquête qui est ouverte sur le sujet précisément dont vous parlez et qui est portée par le parquet national financier. Elle a été réouverte récemment à l'issue des événements que vous venez d'évoquer. Donc, madame la députée, il y a de ce point de vue tous les éléments pour que la justice soit réellement en mesure de porter des réponses pertinentes au sujet que vous évoquez. Si vous le voulez bien, nous attendrons ce que la justice va dire avant d'incriminer d'autres types de solutions. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Comme vous, je fais confiance à la justice. Merci, madame la garde des Sceaux.